chanson vient avec nous les Pinigas. C'est fini. Salut les amis. C'est la rentrée. On va s'amuser. À l'école de mode. Vive le défilé. Les Pinigas. Si tu crois en toi, tu réussiras avec les Pinigas. Vas-y, hop, on y va. Allez, chante avec moi. Pini, 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 Pinigas. Exactement. Vous savez, mon père m'a dit un jour, si tu ne peux pas les battre, saute dans ta décapotable et rattrape-les. Ton père a une décapotable ? Trois. Mais en fait, elles sont à ma mère. Mais c'est normal. Moi, ma mère a quatre décapotables. Et une voiture de course pour les week-ends et les vacances. Et oui, que veux-tu ? Le business des manucures pédicures se porte bien. Les week-ends et les vacances ? Ta mère a combien de salons de manucure ? 14. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Seulement dans l'Upper West Side. Et toi, combien de voitures de sport italiennes haut de gamme a ton père, Michel ? Mimi ! Mimi ! Mimi ! Est-ce le concierge qui est en train de t'appeler Michel ? Il a dû la prendre pour quelqu'un d'autre. Hé, elle s'appelle pas Mimi ! Eh oh ! Ouah, c'était bizarre. Je crois qu'il a perdu la boule. Bien sûr qu'il a perdu la boule. Non, mais quelle personne saine d'esprit voudrait être concierge? Y a rien de mal à être concierge. Oh, c'est bien que tu penses ça, ma chérie. Parce qu'avec ton immense talent, il te faut absolument un plan B. Le couloir 4 est à nettoyer, Michel. Tu as au moins raison sur une chose, Rita. Il y a beaucoup de saleté par ici. C'est vrai, tu as raison, ça sent la poubelle. Venez les filles, on va être en retard. Ça va sonner d'une minute à l'autre. Mimi, oh pardon, j'ai compris que tu ne voulais pas que je t'appelle comme ça ici. Ton petit surnom te fait honte ? Oui, je veux dire, non, enfin, c'est pas ça qui me fait honte. C'est quoi alors ? C'est moi qui te fais honte ? C'est pas ça, papa, mais je veux être comme tout le monde à Pigny. Et je suis la seule à avoir un parent qui travaille ici. Ok, ma chérie. Je sais que c'est difficile d'arriver dans une nouvelle école. Je te promets, ce sera notre petit secret. Je ferai comme si tu n'étais pas là. Merci, papa. Voilà, notre petit secret. C'est pas vrai ? Si ! C'est exactement l'info qu'il me fallait sur Michel. Avec ce que tu viens de me dire, je vais briser ses rêves ridicules de stylisme et elle n'aura plus qu'à aller se rhabiller. Oh, ce rire fait réellement froid dans le dos. Qu'est-ce qui se passe, Lil ? Tu regardes ce burrito comme si c'était lui qui allait te mordre. Je déteste le jour des burritos. Alors pourquoi t'apportes pas ton repas le mardi ? Un jour, j'ai entendu Julia se moquer de quelqu'un qui l'avait fait. Elle dit qu'il n'y a que les losers qui apportent leur repas. Quoi ? C'est injuste de sa part de se moquer de quelqu'un juste parce qu'il apporte son repas. Il faut que je vous dise quelque chose. Ok, Michel, alors dis-nous. Oh, mais j'hésite encore. Si vous ne vouliez plus être mes amis après ça... Allez, crache le morceau. Tu crois qu'on voudrait rester amis avec quelqu'un qui nous cache quelque chose ? Ok, eh bien... Vous vous rappelez ce matin quand le concierge appelait cette Mimi ? Ouais. Ben... Mimi, c'est moi. Ton secret, c'est de nous avoir fait croire que tu t'appelais Michel ? Non, je m'appelle Michel. Ton secret, c'est que t'as une personnalité multiple ?
Mon prénom est Michel. Mimi, c'est mon surnom. Et le concierge... c'est mon père. P-I-N-Y. Je déteste vraiment les burritos. Laisse tomber, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tu saches que Tasha et moi, on t'aime bien quoi qu'il arrive. Et le fait que ton père soit le concierge de l'école, on s'en moque totalement. C'est vrai. Pourquoi tu nous l'as pas dit dès le début? Apparemment, tous les étudiants à Pigny viennent d'une famille riche. Même vous, les filles. Je voulais vous ressembler. Et toi, au moins, ton père, tu peux le voir. Le mien est toujours un voyage d'affaires. T'as raison. C'est vrai que j'ai de la chance. Mais ça reste un secret, ok? Promis? Promis? Juré! Un secret. Arrête de vouloir me distraire, ça ne marche pas. Je connais ton secret à propos de ton cher papounet. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais le dire à tout le monde. Et tout de suite. Michel, est-ce que ça va? Laisse-moi tranquille, j'ai besoin d'être seule. Michel? Je connais ton secret et je vais le dire absolument à toute l'école, à tout le pays et à toute la galaxie. Enfin, si bien sûr je capte du réseau. Fairchild. Ce n'est que partie remise, ma chérie. J'ai plein d'autres téléphones portables, Fairchild. Pourquoi tu me fais ça? J'avais mon téléphone dans la main et tout à coup, il s'est brisé en 1000 morceaux. Ok, Michel, tu es suspendu. Et ça vaut aussi pour toi, Julia. Pas de téléphone pendant mes cours. T'as disparu après le cours de gym, tu vas bien? Ok, dis-nous ce qui se passe. Je croyais qu'on avait dit plus jamais de secret entre nous. Ça ne vous donnait pas le droit d'aller raconter mon secret à Julia. Qu'est-ce que tu dis? Lille, de quoi est-ce qu'elle parle? Pour la première fois de ma vie, je n'en ai absolument aucune idée. Ah oui? Tu te rappelles absolument pas d'avoir dit mon secret à... à elle? Aussi divertissante que cette petite chamaillerie puisse être, je dois avouer que je me sens un peu insultée. Non mais attends, tu crois franchement que la cloche et l'intello de service font partie de mes sources? Voyons, et j'ai des espions dans toute l'école. Et tu sais ce que j'ai d'autre? Cuit, cuit, cuit et petit oiseau. Écoutez tous, j'ai quelque chose à dire. Vous voyez le type que vous appelez tous le concierge? Eh bien, il a un prénom. Il s'appelle James. Et il a un nom de famille aussi. C'est Fairchild, comme le mien. Pourquoi? Parce que c'est mon père et je suis fière qu'il le soit. Et non seulement c'est le meilleur père du monde, mais c'est aussi le meilleur concierge. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire là-dessus? Merci, ma chérie. Je suis désolée d'avoir douté de vous, les filles. Même une seconde. Considère que c'est déjà oublié. Tout bien réfléchi. Si tu acceptes de me prêter ton donut bleu super mignon pour vendredi soir, ça m'aiderait beaucoup à oublier définitivement. Alors, Michel, tu me prêtes ton haut? Et vous savez le plus drôle? J'ai l'impression que tout le monde s'en fiche que mon père soit le concierge. Je veux dire, tout le monde, même... Poussez-vous de là! Tu as été si courageuse de révéler l'identité de ton père. Mes espions t'observent, Michel. Et moi aussi, je t'observe.
Mes espions t'observent, Michel. Et moi aussi, je t'observe. Ouais. C'est clair. Cette nouvelle fille, Michel, a vraiment quelque chose de spécial.